La police dit pas gen campé, la police dit pas gen baisser les bras, la police dit pas gen déposer zame et c'est dans tête collée avec la médaïti mélangé à quelques nèg Kenya yo, mesdames et messieurs, et ben qui ont même mettez tête ensemble pour capable marcher sous fiel nèg belé yo. Et dans moment on a parlé là, faut que nous dit ouais gagner en pile et lever campé qu'a fait dans Milrabo, même si qu'a joué une petite critique, mais ça va empêcher monsieur a mobiliser nèg yo là. Monsieur a pas encouragé nèg yo pour faire ça que yo même yo capable, et ben c'est éliminer tout nèg exam, mesdames et messieurs, pas gain arrestation, non population haïtienne dit pas dans arrestation, c'est bois calé ou bien vidé nèg à terre. Mais quand il s'agit de arrestation, qui compte pour mettre nèg yo, parce que nèg yo crasé toute prison qui gagne, hein, depuis ce commissariat gagne nèg yo presque fin crasé toute. Je dis à la qui compte pour mettre un bandit qui ont arrêté peut-être quelques juges à quelques policiers gang pour le libérer. Non, population a dit bois calé, mesdames et messieurs, et si ça, eh ben qu'a fait dans moment n'a parlé là, parce que nous dans diverses zones province dans pays il y a des bandits qui a pris mes armes, qu'on ça tout des bandits qui a demandé peuple à pardon et qu'on ça tout grand pile qui a prend bois calé. L'autre détail encore, il y a un agent BISAP monsieur en bas code. Et bien, côté monsieur, volons pas, on paquette l'argent, non, pour gaz, bagala vraiment grave, mesdames et messieurs. Pourtant, des agents BESAP qui a pas, fourré droite dans l'affaire moun, aujourd'hui, agent BESAP te gen respect devant haïtien, surtout dans le dossier canal là. Haïtien te bay BESAP, on va aller jusqu'à ce qu'on l'ait, après, il est à bas la police, et puis vive BESAP. Et bien, aujourd'hui, là, agent BESAP ça, monsieur fait nous honte, monsieur a le fourré maintenant l'argent. Et pompe gaz moun, et bien je dis à la police s'en fout que monsieur, que nous pourrons inviter au gain détail. Gagne tout, colonel Mle Rebu, qui c'est ancien officier de la médaille, qui dit même je dis à la tape et bail en pile gros vérité sous opération la police a mené. Hein? Et dossier sécurité pays, ya, et bien colonel Mle Rebu, cap et corrigé kaye, non, mais le Rambo là, qui soit disant, il a fait opération, alors que nèg yo tourne la caillou, il y a des zones, nèg yo pas tout prend zone sa yo. Eh ben, on écoute le colonel là, qui lui même t'a parlé, avec plus de détails concernant, eh ben, bandit cap tombé, bandit, eh ben, cap arrêté, et bandit cap prend bois calé. Bon, et Fadel, et juste avant moi, entrer à bon, et bon, m'entrer avec information, ça, tout est tout flamand, nous capables de nous parler directement au niveau des Bénins. Nous capables de dire l'armée d'Haïti renforcée avec un PNH et pourquoi pas les Kenyans yo mobilisé et mais yo marché avec un Bakolodin et mais gain plusieurs tout tracteur là tout qui est à préparer là il y a un pile piège selon toute information que moi apprendre tout yo te mettez au niveau des Belin par exemple on connaît nèg mettez en pile trou et ben nous capables dire et récemment là dans Delma 18 ans dans Delma 6 ans dans base à barbecue côté monsieur yo te entré écrasé en mi, côté qui te mette en mi en aviation, mais monsieur yo, ensemble des pièges en route, qui te capable de faire vivre jeune monsieur yo pour le moment, mais la médaille ici, nous capable de dire présent là au niveau des Solino de ma 24 ans, mais monsieur yo dit tout autant, yo pas un chassé, soit du monsieur à la barbecue ou le Kempetan, mais faire au bail belle blanche, ensemble des négons, yo pas quitté opération pendant la parler là, mais nous capable de dire effectivement, oui, monsieur yo marché avec un tracteur, bacolodère, côté en pile tout côté monsieur était fouillé et mais il y a bouché là pour le moment et nous capable dire monsieur il y a avancé timidement et même capable dire vers et nèg belé en pile tiré et te gagné et dans après-midi et jeudi 29 ans et août là c'est en pile détonation côté nous capable dire monsieur et la médaille la police population dans Solino il y a excès ouais mais tu veux qu'on le bail sont capable dire au niveau des zones de l'air que nous connaît très bien. Et bien, on capable dire la police effectivement veut mettre plusieurs blindés accès avec un même passage pour en plus le monde. On va dire mon qui connaît dans entrée à Civlan, gain on chave blindé dans entrée des États-Unis côté monde va passer avec facilité difficile pour ta faire autant. Ça veut dire monsieur presque tout un sorti. Et bien, on va parler ensemble de nègres qui gain zam nan meyo et gain et bad boy là qui en l'air tout. Gain en pile et sniper en l'air. À chaque fois on nèg exam a courir ou bien on gain monde a courir ou bien nous capable dire j'en étais à l'aise a courir avec facilité hein et mais ouais sniper yo mettez balle non des nèg du mais là encore mon capable dire et pour le moment là situation yo apprendre nous tout depuis matin tout c'est en détail en pile
pile moun rete au niveau des Ambelin, en pile moun rete au niveau de Kayan, moun presque pas sorti parce que dimi mais gen sniper tout côté à n'importe sorti moun pas besoin connaître n'importe moun si grand moun si moun tout kon apprend balle moun capable de et gon détermination avec bon côté la police pour comment yo capable pénétrer zone Belair là mais bien dimi Belair you know is okay nèg yo kembe Belair tout fait tout plan là gon raison tout et par rapport avec et raison et qui fait au Québec content nous connaît et palais national nous connaît et sans oublier et gagné et ministère intérieur gagné tout et ministère intérieur gagné l'armée d'Haïti qui pas loin gagné en pile et édifice mais ils vont pas laisser en bas mais ça vient cause et les gars les bâtiments ça qui en bas mais ça vient cause et mais monsieur a pour façon pour être capable de loger c'est pas seulement au niveau de Belair gagné au niveau de Delma 18 tout côté hier qui a essayé de tenter dans base barbecue côté de l'aviation dans aviation tout mais nous connaissons gagné une guerre qui s'est éclatée entre Mikano et Boudjandjan, mais pour le moment, guerre ça, il faut camper parce que la police, pendant que monsieur tape bataille entre eux, même dit, mais la police est obligée d'entrer dans le pied, comme le tape entre eux, mais la police pas besoin de connaître, mais tout le monde est joué. Nous sommes capables de parler, bilan, opération, jusqu'à présent, la police n'est pas capable de parler bilan, mais nous connaissons un peu le monde qui est victime par balan, et bien, net examen pour innocence, allez-y, et bien, situation qui peut être vraiment compliquée au niveau de Belair, mais un peu plus tard, on a regardé pour nous, un bilan, est-ce qu'il y a combien de monde qui est victime, mais nous connaissons récemment, il y a un peu le monde qui déploie balan, et nous attendons, Jimmy, et nous, dans la population, même, qui doit parler avec nous, comment l'opération a continué de dérouler là, et bien, Léonel, pour aller lancer contact au niveau du Belair, et nous sommes capables de dire, Delma 24, Solino, et pourquoi pas Babelair, et pourquoi pas zone aviation, Delma 6, il y a une situation que nous-mêmes, dans le monde, après bon TV, n'a suivant ni de près, ni de loin, Léonel, et pas de. Bon, et oui, effectivement, monsieur confirmé qu'il était dans BESAP, mais façon qu'il confirme qu'il était dans BESAP, là, monsieur, ou capable, ouais, c'est pas tout le monde qui était vraiment actif dans BESAP. Et monsieur Dou, bon, je pense que nous ne pas mettre titre comme quoi ils sont agents BESAP, nous mettre plus, plutôt, monsieur dit également, ils sont artistes. Donc, on a regardé, me dit, on a toujours dit agents BESAP, mais on n'a pas dit que monsieur sont artistes. Donc, à ce moment-là, et effectivement, nous disons bravo parce que lui reconnaît que lui te fait des autres. Entendez de petit ça. Où c'est mon qui côté? Moi c'est mon Bomo. Qui sont fait comme activité pour vivre? Bon, je fais commerce, des fois je chante tout parce que dans le domaine artistique. Son artiste, hein? Qui l'autre bagage encore fait? Une vraie formation dans BESAP. Elle dit, vous êtes agent BESAP? Bon, oui. Ok. Est-ce que vous pouvez expliquer toute population qui a gardé là dans quelles circonstances la police a arrêté? Bon, la police arrive à arrêter ma police et la gamme fait qui pas bon, parce que nous prenons un corps, alors qu'il n'y a pas de problème. J'ai choisi d'arriver pour aller, nous avons fait un parcours, nous avons sorti au moment pour aller dans l'autre zone. Nous avons sorti au moment pour aller dans l'autre zone, et puis la police est arrivée à arrêter mon fondé. Vous dites que la police a arrêté pour ne pas faire qui pas bon. Est-ce que vous avez dit que nous avons fait qui pas bon? Bon, il y a encore un corps. Qui côté pour voler comme ça? Bon, c'est une pompe gazoline qui a fait avocat. Une pompe gazoline qui a fait avocat. Est-ce que vous êtes un employé complet ou bien passé ou passé ou bien. Expliquez-nous, non, l'expérience que vous êtes comme ça. Je ne vais pas passer, non, mais je vais fonctionner ensemble avec un pompe là. Pour mon pompe là, alors c'est un ami qui est lié. Combien de temps vous avez depuis que vous fonctionnez dans pompe là? Je n'ai plus de 10 mois depuis que je fonctionne ensemble avec monsieur dans pompe là. Vous avez environ 10 mois depuis que vous préparez pour ça pour les gars? Alors, excusez-moi, je n'ai plus de 10 mois depuis que je fonctionne dans pompe là, non, depuis que je fonctionne ensemble avec monsieur. Ah, ok. Combien de temps vous avez depuis que vous fréquentez pompe gazoline? Bon, ça a gagné 3-4 mois. Voilà. Et mesdames et messieurs, voilà, c'est Jean Laptandé là. Bon, nous-mêmes nous disons que monsieur. Pour mettre la tête, yo, pour y a résoudre des problèmes de sécurité dans des espaces physiques qui mélangent population et bandits et avec des méthodes policières. La police fait travail. On ne peut pas la police te mène en investigation. Tu as des gens qui sont réfugiés dans l'hôtel, tu as même des policiers qui ont mené l'investigation. Ils connaissent et jouent. Chercher les gens dans l'hôtel et pas jouer avec le travail sur eux. Donc, au contraire, la police a fait pour avoir plus de moyens pour augmenter le fonctionnement, la potentialité des CPJ, qui ont des gens très qualifiés, qui comptent travailler, qui ont fait travailler. Donc, moi, je crois que c'est là pour investir.
pour quitter la police, faire travail la police, et pour prendre d'autres mesures pour résoudre problème et sécurité dans la nature, problème dans qui est là. Et une politique blindée, bon, moi-même, honnêtement, moi, plus quoi, stratégie blindée, c'est une stratégie commerciale. C'est des gens qui ont blindé pour vendre, donc, cap vendre des véhicules, ils ont besoin de vendre. Et c'est des gens qui ont besoin de faire pourcentage dans le ristoun, cap acheter des bagailles. Dans tout pays au monde, la police gagne des véhicules de transport de troupes. Mais véhicules de transport de troupes, c'est des véhicules qui acheté pour protéger des gens qui peuvent faire des raids terrestres. Parce que le premier bagaille problème véhicule la gagne, c'est limiter le nombre de gens qui sont engagés dans l'opération. Donc, est-ce que par exemple, qui quantité blindé pour gagner pour aller débarquer dans une zone qui gagne des bandits qui gagne 150, 200 petits bandits petits qui gagne des armes et pour aller faire. Donc, la police a toujours fait travailler, elle a une capacité pour faire travailler. Il faut qu'il augmente la capacité. Ça, maintenant, il faut que la population pas prenne illusion que la méthode policière est capable de résoudre le problème qui est là. Je ne dis pas faire mettre dame, faire fou là, il y a un problème. Non, non, parce qu'on doit faire ça tout. Mais résoudre un problème de manière définitive, ce n'est pas pour demain, à la méthode que vous choisissez. Guillaume, qui t'a fait quoi que la police là, il n'est pas arrivé à réaliser, il n'est pas arrivé à réaliser un bon coup de filet dans la Belle, c'est par rapport à un manque de planification qui fait. Je ne peux pas émettre opinion sur ça. Parce que pour moi, je connais qui gens, les gens qui sont Belle, qui sont organisés. Côté yoye, qui quantité yoye, qui quantité zam yoye, parce que c'est donné ça qui pour permettre de planifier l'opération. Ensuite, pour aller faire l'opération, pas oublier que c'est non espace urbain, c'est côté de moun qui n'a qu'à y vivre. Donc, moi pas de donné qui te permet de prendre décision, hein. Moi pas de résultat opération, yo. Moi connais, seul bar moi connais, je suis certain. Si vous attendez, par exemple, vous commencez une opération là, je vous dis, opération normalement, si c'est opération, elle n'est pas faite pour une rupture. Ou pas capable commencer une opération, ou pas atteindre l'objectif là, et puis vous retournez là, caillou. Parce que opération dit, vous avez toutes les données dans le monde qui permettent ou assiéger la zone ça, ou résoudre le problème là, ou nettoyer la zone là. C'est pas le travail de la police. Il y a moyen. C'est Zamdou, moi pas qu'on est. Moi pas qu'on a qui caractéristique ennemi qui a pas affronté. Côté ennemi localisé. Qui moyen ennemi a gagné. Qui système campagne que ennemi a fait sous population côté l'IA. Et au même qui ça a gagné dans main pour opposer à lui. Jour après, a gagné opération tout bon en Haïti. Ou après, il y a des coordinations aériennes qui sont faites avec les gens qui sont au sol. Parce que vous n'avez pas mené l'opération si vous n'avez pas attendu, si vous n'avez pas ouais. Et vous avez ouais en continu. Ça veut dire que si vous n'avez pas forcément ouais tout ça qui est fait sous scène, sous théâtre qui est devant nous. D'autant que c'est un côté de citoyens civils qui n'ont pas même des guerriers ni des bandits. Ou pas capable tomber tirer de manière inconsidérée. Donc faut ouais et là en dans une ville des opérations c'est des raids que tu as capable et qui fait avec une précision chirurgicale de bagaille qui pas durer entre 30 minutes et 1 heure de temps et pour prendre objectif là vraiment et pour replier avec. Ou bien éliminer. Maintenant les méthodes policières comme moi toujours dit la police travaille travers par là, il faut pas confondre la police à utiliser la police comme c'est des militaires qui t'a monté à l'assaut, etc. Donc, tant que vous engagé en dedans, une réalité qui est différente de savoir-faire, vous avez toujours un demi-résultat. Maintenant, ça, le connaît pour le faire, ou elle mène une enquête, les joignent de monde qui sont en liaison avec l'affaire bandit, parce que c'est ça la police qu'on fait. Et là, qu'on y est, c'est au lieu de prendre pile l'agence et de mettre gaillé tout partout, renforcer des CPJ, permettre qu'il y ait des formations qui sont faites, permettre qu'il y ait des renforcements de monde qui sont faits.
pour la police est capable de faire travail, il peut faire. Si on a quoi vidéo qui a circulé avec voice qui a circulé tout, ça a fait nous sentir que la police, monsieur policier, a été mis en place parce que bah dire yo confisqué les armes et casque avec bagages qui étaient chargés qui étaient bagages et balles pour la police là. Est-ce parce que c'est parce que la police a pas de gain information de territoire qui fait que yo arrivé perdre du matériel ça, ou du moins est-ce que c'est parce que nous pas gain hélicoptère qui capable aider nous faire combat qui permet que nous toujours apprend coup de banane monsieur Xavier. Bon, les narratifs qui lié à des opérations faut toujours prendre ça avec un peu de recul parce que la propagande, que ce soit la police qui a fait propagande par que ce soit monsieur Bandio qui a fait propagande par yo, viser un objectif pour blaser l'autre là, pour montrer l'autre là plus faible. Les gars ne cap parler là, les gars doivent font pile pète oui, il va parler de pète par yo pour cap pas craser moral tout par yo. Donc faut prendre narratif avec beaucoup de recul pour cap prendre qui ça la vérité. Maintenant on dit par exemple que des bandits dit ils prennent des armes la police. Là où montre aux armes, comment on va faire connaître si ces armes la police, si ces armes bayo. Donc, dans le narratif de guerre, il faut prendre pile précaution parce que parole qu'ap diyo visait à faire une série de monde, quoi une série de bagaille. Tant de monde qui dans campayo que monde qui en face là. Y a dit de bagaille pour attaquer moral monde qui en face là et y a dit de bagaille qui pour renforcer moral monde qui avec yo. Yo gen doit perdre 20 nèg yo doit croiser 2 nèg yo gen qui t'est blessé. Et la police doit dire même bagaille là tout. Et narratif de guerre, faut prendre pile précaution avec lui. Maintenant, ça nous gagne là, pas gagne bluff la donne. Jour gagne résultat vraiment, gagne des noms qui vont attendre. Gagne des noms, tout le temps, nous pas attendre, ou bien arrêter les gens, ou bien les gens sont tombés au combat, ou bien neutraliser les gens de bagaille. C'est-à-dire que c'est parler, n'a pas parlé autour de bagaille là. Moi, j'étais général Kony, qui est réuni avec tout état-major. Tu as fait séance d'état-major, sûrement c'était pour faire monitoring et opération qu'a fait pour la bail indication parce qu'on est les opérations comme ça, les grands généraux sont tous réunis et puis il y a évalué situation, il y a passé comme un bantou, il y a bail conseil, il y a évalué les gens qui blessés, il y a descendu à porter secours dans l'hôpital. Donc nous on a un gros bagage sérieux que y a des monde sorti pour prendre pour faire le fait théâtre de manière consciente ou pas, mais où tu prends pas cap de résultat là où tu prends j'ai pas président liste a fait quoi que le fait que pour EPM gars qu'on était descendre l'hôpital Benameuse à l'ouais policier qui était blessé dans un dessin qui était vraiment médiatisé, c'est un gros erreur stratégique que lié pour la police. On est avec colonel qui joue. Pardon, général Konigsak. Il était descendu à l'hôpital Benameuse hier pour le temps où les policiers soient qui étaient blessés dans la porte Mayo. Il y a un peu d'analyse qui t'a fait croire que c'est une erreur stratégique que la police a faite, étant donné que des sept salles étaient vraiment médiatisées, plus immédiatées là. Bon, et comme moi, je n'ai pas d'éléments d'appréciation de même. Le général en chef qui est sur le terrain des opérations, c'est général Kony. Donc c'est lui-même qui a évalué qui bonne décision pour le prendre. S'il y a des hommes qui étaient blessés, il descend à l'OEO. Moi, je crois que c'est un bon bagage que l'a réconforté M. Sayo. D'autant que moi, je crois, il dit que les gens sous le lit d'hôpital et côté blessé, il dit que c'est tant y a tant de finger là pour passer à l'assaut. Donc, la peut stimuler le moral des gens, la peut encourager, c'est un bon bagage. Et la fin avec la question, colonel. Nous connaissons que le sage, c'était un monde qui reconnaît, reconnaît très longtemps qui était chef commandant de l'armée, qui est remplacé par des guerriers que tout le monde a fait croire qu'il y a une nationalité américaine. Est-ce que vous pensez que le remplacement, c'est un bon choix lié pour FADH? Bon, moi-même, je crois que ce sont des décisions d'État. Et avant, les gens qui prennent des décisions, ils ont évalué. Situation générale qui était là, résultat que le débat, objectif qui est dans la tête, avec projet que vous avez pour l'armée, vous estimez son l'autre général pour faire appel à lui, ça prévoit dans le règlement, vous n'avez que faire un choix. Maintenant, seul bagage nous avons, nous avons que le général ça, les moyens et la liberté de penser et d'action
pour accomplir la mission que vous prétendez capable de faire. Mais pour faire ça, il faut le matériel, il faut le équipement, il faut le moyen et surtout il faut le personnel préparé. Ou même qui sont qui étaient aussi avec la sécurité pays, est-ce qu'on peut faire tête ou le devoir pour que on te une enquête sur le nouveau général Derby Guerrier par rapport avec non, mais moi je connais le général Derby Guerrier. Le général Derby Guerrier était élève de l'Académie militaire, tout comme général de Sage. C'est deux monde que je connais très bien. C'est deux monde que je connais. Ça a plus de 40 ans. C'est deux monde qui était instructeur à l'Académie militaire. Je l'ai vu pendant une période assez longue avec eux. C'est deux monde qui connaît sous potentialité. Je connais ça au café. Je connais ça au pas café. Je connais ça au pas jamais fait. Je connais ça au capable d'accomplir avec les moyens que tu as gagné. Donc ce n'est pas deux monde qui est étranger. Moi, je pense que si gagne les moyens humains, les moyens matériels, la logistique et que des résultats que nous sommes capables d'arriver à atteindre. Donc ça va dépendre de qui ça général là, parce que c'est le général, c'est lui qui va évaluer la situation, hein. C'est lui-même qui va faire requête lui, et c'est le gouvernement avec le CPA qui va bailler les moyens pour qu'on atteigne le résultat.